Bien, eh bien, nous allons, je crois, reprendre, si les organisateurs me donnent le top. Merci. Alors, je suis Marc-Olivier Paruche, directeur d'études à l'École des études, où j'essaye d'enseigner à les étudiants l'histoire politique de l'administration. Et sont présents à cette tribune Brigitte Gaïti et Vincent Dubois, l'un et l'autre professeur, je crois, de sciences politiques, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Brigitte à Paris 1, Vincent à Strasbourg, et n'est pas présent, comme vous le constatez, Georges Steinmetz, que je dois excuser, Georges Steinmetz de l'Université de Michigan, qui aurait été volontiers avec nous et que nous aurions évidemment volontiers accueilli, des raisons personnelles l'en empêchent. Georges Steinmetz, ses derniers écrits portaient sur le colonialisme, et évidemment, les pratiques d'État en situation coloniale sont un point d'application important de ce que nous avons pu lire des travaux de Bourdieu sur l'État. Je pense que dans la discussion, nous aurons, j'espère, l'occasion d'y revenir. Alors je me suis demandé pourquoi Gisèle m'avait fait l'amitié de me demander de présider cette table ronde. Peut-être, mais c'est une explication seconde, parce que je travaille en un lieu où je crois un jour Pierre Bourdieu et peut-être Raymond Aron ont travaillé ensemble, le 10 rue Monsieur le Prince, la maison Auguste Comte. En tout cas, je suis peut-être aussi parce que, et je crois ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer d'entrer dans ce que moi j'appelle la salle des machines ou la machinerie, et donc voir par les politiques ce que fait l'État, précisément, et ce pluriel est important, comment défeuilleter cet État concrètement et voir comment ce qui nous a été exposé, lors des, qui est à la fois la substance du livre et ce qui vient d'en être dit, comment ça s'applique concrètement, parce que moi je suis un peu dubitatif sur le L apostrophe, évidemment, l'État c'est à la fois sans doute une personne juridique et une puissance symbolique, ce sont aussi, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il, pour autant qu'il existe, est toujours le dernier mot, ce sont aussi des acteurs et des configurations d'acteurs, on en parlera. Alors peut-être juste, et j'allais dire, j'abuse de ma fonction, donc, symbolique et réelle, du fait aussi que Georges n'est pas là pour prendre un petit peu de temps, réfléchir à la fois sur, en reprenant ce qu'a évoqué Rémi Lenoir, sur ce qu'est l'objet, ce que c'est que de l'oral écrit, et c'est vrai que c'est pas très simple. Alors, jadis, c'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup dans un configuration, un champ très différent du vôtre. Sciences Po des années 70 et les professeurs de droit, traditionnellement, il y avait les cours de droit où on retrouvait assez bien ce mélange. J'ai noté tout à l'heure, l'enseignement oral est fait pour dire ce que l'on ne peut pas écrire, ce que l'on ne veut pas écrire. Et on trouvait, notamment lorsque ces enseignements, je pense plutôt à Sciences Po, étaient faits par des praticiens de l'administration, on trouvait ce mélange de choses qu'ils n'auraient jamais écrites, mais qu'il était intéressant de regarder. Et moi, travaillant sur Vichy et lisant les cours professés à Sciences Po en 41, 42, 43, on apprend quand même beaucoup de choses indirectement par la bande, par le petit côté. Mais justement, ces petits côtés disent beaucoup de choses. Alors, sur l'oralité, je crois quand même que, bon, on n'est pas forcément complètement au cœur du sujet, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une oralité figée? Alors, on a signé tout à l'heure des formulaires disant qu'on autorisait nos paroles augustes à être gravées ou conservées pour l'éternité, en tout cas pour longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une oralité non éphémère? C'est-à-dire que ce qu'on dit est vu déjà dans la salle de l'autre côté. Et je salue ceux qui nous regardent dans l'autre salle. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cours, qu'un enseignement qui va être YouTubé, podcasté, etc. Je pense qu'on est là en présence. Bon, ça n'exclut évidemment pas qu'un jour ce soit écrit, mais on est là en présence d'un nouveau type, d'une oralité comme ça, un peu transcrite ou conservée. Alors, nous sommes le 23 janvier. La date est la date, mais il se trouve que il y a trois jours, le 20 janvier, c'était le 70e anniversaire. On peut parler de commémoration de la conférence de Wannsee, donc un moment vraiment où l'État, là, quel État,
pour autant que ce soit un État, c'est un autre sujet, utilise pleinement son pouvoir de coercition, domination, mise à mort. C'est aussi, alors c'était samedi, c'est un anniversaire un peu moins rond, le 219e anniversaire de la mort du roi, que certains appellent la mort du roi et que d'autres appellent le passage du citoyen Capet au rasoir national. Donc effectivement, vous voyez bien que le langage n'est pas tout à fait neutre. Et c'est cet après-midi au Sénat la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale il y a un mois, sanctionnant la négation des génocides reconnus comme tels par la loi, avec des jeux de procédures extrêmement intéressants, c'est-à-dire que la commission des lois a déclaré cette loi irrecevable, mais les sénateurs membres de cette commission ne seront pas présents cet après-midi pour que le projet soit adopté, enfin pour autant que l'on puisse prévoir. Donc là, on est vraiment dans des choses très concrètes, et je crois que Pierre Bourdieu, pour autant que j'ai pu lire le texte, avait un rapport. Il ne cesse de dire que le droit constitutionnel est extraordinairement ennuyeux, et il ne cesse d'y revenir. Alors, soit il était très masochiste, soit je ne pense pas, soit il a effectivement perçu, et je pense à tout ce qu'il écrit de la construction du droit constitutionnel britannique, je crois qu'il avait perçu que par le juridique, et notamment c'est le juridique qui va définir le L' de l'État, il avait perçu qu'il y a là, évidemment, un enjeu extraordinairement important. Alors, avant de laisser les gens qui ont des choses à dire parler, je voudrais, en liaison avec ce sujet, vous faire part de deux souvenirs personnels, et ça s'arrêtera là. D'une part, je suis venu à cette réflexion par Gisèle Sapiro et par sa thèse, puis son livre « La guerre des écrivains ». Et je travaillais, je finissais à ce moment-là, j'avais fini mon travail sur l'administration de Vichy, et je m'étais dit qu'il ne serait pas inintéressant de faire, pour une de mes populations cibles, importantes, les préfets de Vichy, le travail que Gisèle avait fait sur les écrivains. Je ne l'ai toujours pas fait parce que j'ai reculé, je n'ai pas son sérieux, j'ai reculé devant l'ampleur de la quête et du traitement de données. L'avantage de notre métier, c'est qu'on peut toujours donc garder des chantiers à venir. Il se trouve que je suis désormais membre du comité d'histoire préfectorale installé depuis un mois et présidé par Claude Guéant. Donc je suis sûr qu'il aura à cœur de faire aboutir ce projet, pour autant évidemment qu'on lui laisse l'occasion de continuer à présider ce comité. Et puis un autre souvenir, si j'ose dire un souvenir de demain, puisque demain, par hasard aussi de calendrier, il se trouve que je participe à une mise en place d'un colloque au Conseil d'État sur les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures. C'est la manière pour le Conseil d'État de revenir sur un peu l'histoire sainte du Conseil d'État sous Vichy, le Conseil d'État grand protecteur des libertés à tout instant et en tout lieu. C'est une histoire qui a commencé. Vous voyez, ça, c'est les dangers de l'oral éphémère, parce que ça va être, imagine, enfin, j'espère que tout ça n'est pas podcasté en direct au Conseil d'État. Et donc revenir sur cette histoire sainte, donc un peu réfléchir de manière plus globale sur ce qui a pu se passer dans la tête des gens, dans leur stylo, dans leur cœur peut-être, leur conscience, que sais-je, donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires ou des moyens fonctionnaires dans ce qui s'appelle l'Europe des dictatures 1938-1948, donc on va peut-être même un peu en amont hein, d'une Europe d'avant-guerre totalitaire en majorité, à une Europe dans laquelle, à l'Est, va s'installer toute une série d'autres types de dictatures. Donc demain, il y a une réunion de ce comité scientifique qui siège au Conseil d'État, dans lequel il y a beaucoup de conseils d'État, et de membres du Conseil d'État, pardon, donc aussi beaucoup de conseils d'État. Et on a le sentiment que le Conseil d'État est vraiment fait, ou continue à agir comme il le fait, pour démentir ceux qui trouve que les analyses de Pierre Bourdieu sur le champ dominant-dominé peuvent être parfois un peu tranchées. Là, vraiment, et on pense bien sûr à la noblesse d'État, mais aussi à la distinction, hein, là, vraiment, il y a ceux qui en sont, il y a ceux qui n'en sont pas. Un de mes principaux soucis pour demain est de savoir si je m'habillerai, comme pour vous, en tweed, vous ne voyez pas le bas, mais pantalon de velours et paraboots, ou si j'essaierai plutôt costume, fausse church, etc. Et donc, On voit vraiment que des institutions d'État de 2012 hein, et des institutions qui presque toutes se sont enorgueillies de fêter le fait qu'elles ont deux siècles d'âge. Hein, la plupart
C'est une question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses à célébrer là? Donc ces institutions continuent à nous informer donc, par ces pratiques de ce qu'est l'État et de la manière dont, y compris dans les aspects les plus triviaux, hein, ce n'est pas tout à fait secondaire de savoir si on met ou si on ne met pas une cravate quand on va au Conseil d'État, y compris dans leurs aspects les plus triviaux, les plus quotidiens, les plus pratiques, illustrent ce que, dans un tout autre état d'esprit, un tout autre contexte, nous était dit ici. Alors voilà, je voulais parler 5 minutes, je parlais un petit peu plus. Je vais maintenant passer la parole. Alors, peut-être la droite, non, la gauche d'abord. Alors, priorité à gauche. Donc, Vincent Dubois, professeur de sciences politiques à l'Université de Strasbourg, qui a travaillé précisément sur ces mises en place de politiques, à la fois d'abord sur un champ, un secteur, hein, les politiques des beaux-arts ou les politiques culturelles, comment se construisent ces politiques, et puis en prenant ensuite d'une certaine manière la relation entre l'État et ceux pour lesquels en théorie il est fait, hein, les entre guillemets citoyens, administrés, usagers. Je me souviens d'un tract un peu ancien où on parlait des petits usagers, eux, accent aigu. C'était quand même pas l'État et ses petits usagers. Et donc maintenant, Vincent Dubois travaille sur précisément ce qu'il a appelé l'État au guichet, c'est-à-dire comment se font ces pratiques quotidiennes d'État. Je lui passe la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Notre table ronde est intitulée « Politique étatique » et je prendrai cette expression dans son sens le plus littéral et le plus simple qui soit, c'est-à-dire des politiques gouvernementales conduites dans différents secteurs pour régler toute une série de problèmes sociaux définis comme tels, pour régler également toute une série de conflits dans des univers différents. Et puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cet ouvrage, je prendrai plus précisément appui sur un certain nombre de ces passages les plus empiriques qui abordent la question de l'une de ces politiques, hein, la politique du logement à laquelle il a déjà été fait allusion tout à l'heure, enquête qui est à peu près contemporaine, hein, des cours de Pierre Bourdieu sur l'État, ou en tout cas qui s'achevait au moment où il enseignait ses cours ici, et enquête sur laquelle Pierre Bourdieu revient à de très nombreuses reprises dans son ouvrage, dès le premier cours. Il revient également en toute fin de parcours dans sa dernière leçon. Je voudrais simplement, à titre de remarque préalable, indiquer que, à mon sens, ce travail sur la politique du logement, vous me démentirez si je me trompe, mais est assez peu cité, comparativement à beaucoup de travaux de Pierre Bourdieu. Il est assez peu cité par les sociologues qui se réclament de son cadre de travail, sans doute pour des questions d'objet, tout simplement, et il est encore moins cité par les chercheurs, notamment en sciences politiques, s'inscrivent dans la spécialité qu'on appelle l'analyse des politiques publiques, alors qu'il y a là un exemple, me semble-t-il, j'y reviendrai, en tout cas, une référence à partir de laquelle on peut se situer, hein, mais dans ce domaine de recherche, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger, ce travail de Pierre Bourdieu, qui est tout de même déjà maintenant ancien, n'est jamais véritablement utilisé, pas même sous l'angle des méthodes qu'il permet d'entrevoir pour objectiver l'espace des positions qui sont au principe de la production d'une politique. Et je voudrais tout simplement essayer de dire pourquoi, à mon sens, c'est un tort, hein, que de ne pas davantage utiliser à la fois dans la sociologie générale et dans l'analyse des politiques publiques ce type de travail, les perspectives qu'elle ouvre, et je voudrais essayer de dire en quelques mots pourquoi. Propos assez modeste, somme toute, qui reprend d'une certaine manière
un certain nombre d'éléments de la démarche de Pierre Bourdieu dans son cours, c'est de partir aussi de choses très concrètes, apparemment sans grande importance théorique, mais à partir desquelles on peut tirer un certain nombre de fils qui renvoient à des problématiques, me semble-t-il, beaucoup plus générales. Alors, je ne vais pas faire un résumé de ce travail, vous le trouverez dans les publications antérieures et dans le cours, bien sûr. Je voudrais simplement rappeler, pour commencer très très brièvement, ce que fait Pierre Bourdieu dans ce travail sur la politique du logement. En fait, si j'ai bien compris dans la façon dont il en restitue lui-même la genèse, ce n'était pas un projet initial. C'est lorsqu'il travaillait sur en fait, le logement et le marché du logement qu'il s'est rendu compte que pour comprendre le fonctionnement de ce marché, qui a la particularité d'être très fortement encadré et structuré par l'État, y compris dans les interactions les plus quotidiennes et les plus banales en apparence entre un vendeur et un acheteur de maison individuel, eh bien, il fallait comprendre les règles qui structurent et préstructurent en quelque sorte à la fois les pratiques des agents sur ce marché en particulier, mais ils structurent ces relations, y compris ces interactions directes inter-individuelles. Et donc, c'est à partir finalement d'un autre problème que celui d'une politique ou même d'un autre problème que celui de l'État, me semble-t-il, que Pierre Bourdieu s'est intéressé à ces règles, certes évidemment pas comme un juriste pourrait le faire, mais en cela à la méthode qu'il avait déjà très largement éprouvée, en restituant la genèse sociale de ces règles, c'est-à-dire en reconstituant finalement l'histoire sociale de l'espace au sein duquel ces règles et ces règlements sont produits. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que Pierre Bourdieu étudie une période charnière tout à fait particulière, celle du milieu des années 70, quand, pour le dire vite, s'opère une sorte de basculement dans la politique du logement qui est elle-même, qui est lui-même ce basculement intégré dans un changement d'orientation politique beaucoup plus large, qui, en passant de l'aide à la pierre, qui renvoie davantage au logement collectif et à la construction, à l'aide à la personne, qui renvoie davantage à l'aide individuelle et à l'aide à l'accession au logement, précipite un premier tournant qu'on appellera après néolibéral, qui repose finalement sur des aides apportées au fonctionnement du marché et qui repose sur une conception individualisée des problèmes sociaux. Enfin, je le dis de façon très, 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 très sommaire. Alors, pour étudier ce moment charnière, Pierre Bourdieu va essayer d'établir la structure des positions et des relations de ceux qui sont engagés donc, dans cette réforme et dans l'édiction de ce nouveau règlement. Il utilise les méthodes habituelles et les principes d'analyse habituels. Après avoir établi les positions et les systèmes de relations, il met en correspondance ces positions avec les prises de position sur la question du logement au travers d'écrits, de discours politiques, etc., etc. Et il montre que finalement ce changement est rendu possible par toute une série d'alliances qui n'étaient pas forcément prévisibles au départ, alliances entre notamment des inspecteurs des finances et des ingénieurs des ponts, mais pas n'importe quel ingénieur des ponts, des jeunes ingénieurs des ponts qui se plaisent à essayer de représenter, d'identifier une fraction moderniste qui veut rénover. Qui veut rénover les politiques du logement contre, finalement, les tenants de positions plus traditionnelles qui sont les fonctionnaires moins bien placés dans la hiérarchie des fonctions du ministère de l'Équipement et des élus locaux. Alors, je fais ce résumé très, très rapide qui est un petit peu, encore une fois, sommaire et assez empirique. On pourrait de prime abord considérer que ce travail n'est pas finalement si original que ça. On ne fait que qu'appliquer un certain nombre de principes de méthode à une politique particulière. En fait, il me semble que c'est un travail qui est tout à fait original et qui
à ma connaissance, n'a pas véritablement d'équivalent. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de politique sectorielle qui ait fait l'objet d'une application aussi systématique d'un tel programme, allant aussi loin dans l'identification et l'objectivation du système de position. Ensuite, il me semble que ce travail apporte toute une série d'enseignements que n'apporte pas ou qu'apporte moins toute une série d'autres travaux plus directement ancrés dans la spécialité de l'analyse des politiques publiques, non seulement par la systématicité de la restitution de cet espace de position et de relation, mais aussi par le principe explicatif qui est ainsi construit, c'est-à-dire que c'est effectivement les transformations au sein de ce système de position et de relations qui sont données comme le principe actif, le principe moteur de la transformation de cette politique particulière. Et donc, ce faisant, il peut donner un principe explicatif sur une base proprement sociologique à la transformation d'une politique qui n'est pas forcément toujours dans la littérature étudiée sur des bases aussi fortement sociologiquement construites. Parce que qu'est-ce qu'il montre finalement ? Il montre qu'à propos d'une politique, que le produit, la politique, se comprend lorsqu'on la rapporte à la structure de l'espace de sa production, le champ de la politique du logement, et que finalement, c'est donc ces jeux d'alliances qui eux-mêmes sont liés à la transformation de la valeur des différentes espèces de capital bureaucratique qui permet de comprendre ce changement. Enfin, cette étude pourrait apparaître comme une étude de cas très circonscrite, quelque chose de finalement très très empirique, mais il me semble, c'est là où je voudrais en venir maintenant, il me semble que, en fait, sans reconstruire de façon un peu téléologique ce qui serait ou ce qui aurait été le programme à la base de cette enquête, il me semble qu'en fait, dans cette enquête, on peut lire beaucoup plus généralement tout un ensemble d'éléments constitutifs du programme de sociologie de l'État qui est présenté dans l'ouvrage que nous discutons aujourd'hui. Alors, je voudrais, pour étayer cette proposition, revenir sur cinq points. Le premier point est un point de méthode, puisqu'on a là une illustration très directe d'un projet beaucoup plus général qui consiste à saisir l'État à travers de ses actes, ce que Pierre Bourdieu appelle dès le début du cours donc des actes d'État, qui reposent sur une autorité qui leur permet d'escompter, produire des effets sur le monde social, du fait même qu'ils reposent sur cette autorité déléguée par quelque chose qui, par régression, peut être identifié comme l'État. Et en l'occurrence, donc, l'État se manifeste par ce nouveau règlement, dont la restitution de la genèse permet précisément de caractériser, de saisir la structure des relations qui caractérisent l'État. Donc c'est une forme de remontée. On saisit l'État en acte, l'État au travers de ses actes, à partir de ce cas très particulier, qui permet, en analysant la genèse de cet acte, de reconstituer et de participer du programme beaucoup plus général de reconstitution de l'espace ou d'un cas de figure, d'un espace relationnel qui construit l'État avec ses systèmes d'opposition, les ministères dépensiers face aux ministères financiers, les différents corps, les différents types de capitaux bureaucratiques, etc., etc. Donc, un deuxième point qui me semble important de noter et qui est tout à fait visible, là encore, de façon très empirique dans l'étude qui est présentée, c'est que ce système de relations, et je ferai peut-être écho à la discussion qui avait commencé à s'engager tout à l'heure, ce système de relations n'est pas cantonné au champ bureaucratique stricto sensu, au sens de l'espace composé des détenteurs officiels de positions bureaucratiques titulaires de la fonction publique, etc., etc. On va bien au-delà, puisque cet espace de production de la politique du logement fait intervenir bien d'autres agents, des banques, des banquiers, des constructeurs, c'est-à-dire bien d'autres champs, en même temps que le seul champ bureaucratique qui serait fermé sur lui-même.
Ça n'est pas par hasard, puisque précisément, mais le constat est sans doute possible à étendre à beaucoup d'autres situations, on a dans le cas du logement un exemple où l'interpénétration entre le marché et l'État est extrêmement fort. Donc, cet simple élargissement, si on peut dire, de la population des agents efficients dans la construction d'une politique est aussi, à mon sens, intégré dans une entreprise beaucoup plus générale de dépassement sur laquelle Bourdieu revient à de très nombreuses reprises dans l'ouvrage, de dépassement de tout un ensemble de fausses dichotomies, notamment la dichotomie opposant la dépendance de l'État à l'autonomie de l'autre côté. Évidemment, quand on restitue l'État comme un système de relations très concret de position dans des champs différents, la question de autonomie versus dépendance ne se pose plus, ou en tout cas ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Le troisième point, c'est le fait que ce système de relations soit relativement ouvert. Je dis bien relativement, parce que précisément les conditions d'entrée dans l'espace de cette production ne sont pas ouvertes à tout le monde facilement. Le fait que ce système de relations soit relativement ouvert est au principe d'un autre point qui est extrêmement important dans tout le projet sociologique de Pierre Bourdieu sur l'État. Il est au principe du travail d'universalisation qui caractérise l'État et ses actes. Alors, je pense en particulier, pour revenir de façon, là encore, empirique au cas de la politique du logement, je pense en particulier au rôle de cette instance très particulière sur laquelle revient à de nombreuses reprises Pierre Bourdieu dans son cours, qui est la commission. Cette espèce d'invention institutionnelle et organisationnelle qu'est la commission, qui est en quelque sorte objective, rend visible quelque chose qui est beaucoup plus largement à l'œuvre dans l'État tel que le reconstruit sociologiquement Bourdieu, c'est-à-dire un lieu d'intégration des points de vue, et là je reprends plutôt le sous-titre de la table ronde, le point de vue géométral des perspectives, expression un peu complexe, sur laquelle on pourra revenir. Le propre de la commission, là, très concrètement, c'est effectivement d'intégrer les différents points de vue, d'organiser le dialogue et surtout de mettre en scène le fait qu'on organise le dialogue et la confrontation réglée de ces points de vue, ce qui permet en retour de mettre en scène la synthèse du point de vue des points de vue, pour reprendre cette expression, et ce qui permet, encore une fois, de prétendre justement un point de vue qui, en intégrant l'ensemble des points de vue, dépasse le point de vue particulier et prétende à l'universel. Donc, cette instance, a priori, sans grand intérêt en tant que telle, qu'est la commission Barre, où se retrouvent des gens pour discuter est-ce qu'on aide à la pierre ou est-ce qu'on aide à le logement, en fait, reconstituer et resituer dans ce processus est sans doute un lieu par excellence de production de ce qui caractérise l'État, c'est-à-dire la production de l'universel ou la prétention à la production de l'universel. Quatrième point, c'est précisément ce travail collectif d'universalisation qui est au principe de ce dont Patrick Champagne parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la construction des problèmes d'État, la genèse des catégories d'État et de la pensée d'État, la production finalement de la vision étatique du monde social, en l'occurrence, comme je le rappelais tout à l'heure, une vision du monde social favorisant une appréhension individualisante des problèmes du logement et plus largement des problèmes sociaux. Enfin, et ce sera mon dernier point, et en abordant ce dernier point, je reviendrai en quelque sorte à mon point de départ, c'est parce que tout cela, finalement, est lié à des actes, à l'application de règlements, à la distribution de ressources, à tout un système d'incitation et de contraintes qui s'exerce parfois très très directement sur les individus, comme les acheteurs de maisons individuelles, parce que tout ça est donc lié à ces actes très concrets qui peuvent non seulement structurellement, mais également de manière très très directe, affecter les individus. Tout ça fait que
On peut construire les politiques d'État telles que les travaille Pierre Bourdieu dans son enquête, les politiques d'État comme ce qu'on pourrait appeler les opérateurs pratiques de l'intériorisation des catégories d'État, ou autrement les vecteurs concrets de l'exercice de la violence symbolique légitime qui, comme ça a été rappelé déjà à deux reprises, et comme vous le savez tous, est l'un des éléments essentiels de la définition de l'État pour Pierre Bourdieu. Il me semble que là, c'est un élément extrêmement intéressant, extrêmement important, saisir la conduite des politiques comme justement le vecteur de l'imposition, intériorisation de ces normes, parce que ça, en quelque sorte, ça concrétise cet élément pourrait sembler très abstrait, monopole de la violence symbolique légitime, qui pourrait rester donc une définition assez abstraite si on ne s'interrogeait pas sur les modalités concrètes de l'exercice. Pouvoir symbolique, de cette violence symbolique légitime. Et il me semble que là, et je terminerai là-dessus, en faisant précisément, après avoir restitué la genèse de ces catégories officielles, cette phénoménologie de l'État que évoque Pierre Bourdieu, c'est-à-dire l'analyse très empirique de la façon dont les individus font l'expérience de l'État, viennent, comme dans les politiques sociales, rechercher eux-mêmes l'identification au travers des catégories d'État que se joue un mécanisme, me semble-t-il, très fort, qui est au principe du paradoxe de la doxa qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'adhésion, si on peut dire, l'adhésion à des catégories doxiques, d'origine étatique, de vision et de division du monde social. Alors, pour ceux qui ont lu le livre et l'article de 1990, sans doute n'ai-je rien apporté de véritablement très très neuf. Qu'est-ce qu'apporte le cours par rapport à l'article de 1990 parce que là, tout était dans l'article d'une certaine manière et plus généralement dans l'ensemble du numéro d'acte de la recherche en sciences sociales sur la maison. Il me semble que le cours a ce mérite de rendre beaucoup plus visible ce qui était déjà implicite dans le travail sur la politique du logement, la façon dont cette étude de cas, appelons-la comme ça, entre en résonance et s'articule avec l'ensemble des éléments constitutifs de la sociologie de l'État de façon plus générale. Il me semble, et c'est un deuxième point de conclusion, que cela amène du même coup à revenir sur la division du travail académique généralement acceptée comme naturelle, qui distingue sociologie de l'État et analyse des politiques publiques, même si de plus en plus nombreux sont les auteurs à essayer de revenir sur cette fausse dichotomie, puisque là, on voit très bien que les deux sont en fait consubstantiellement liés à l'autre. Et enfin, cela conduit, me semble-t-il, à concevoir, dans cette perspective, la réalisation d'enquêtes qui pourraient prendre appui sur ce mode de raisonnement, y compris dans ses aspects méthodologiques, comme une des manières de réaliser collectivement le programme de recherche qui est formulé dans le livre qu'on discute aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour avoir tenu l'horaire et m'avoir ainsi évité de transformer ma violence légitime en violence effective, mais je ne sais pas si on peut débrancher les micros. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, mais que la commission qui décide du passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne soit présidée par quelqu'un qui s'appelle Raymond Barre, qu'on retrouvera un peu plus tard dans d'autres rôles, n'est pas inintéressant précisément sur cette articulation ou cette distinction à laquelle moi je ne crois évidemment pas du tout entre le politique et l'administratif. C'est le mode, vous savez, très classiquement. C'est pour ça que l'histoire administrative est tellement ennuyeuse. C'est que c'est l'histoire écrite par des fonctionnaires qui disent « nous, on ne fait surtout pas de politique ». Donc, évidemment, comme on part sur une base tout à fait fausse, ça ne peut donner que des résultats nuls
ou presque. Alors, j'enlève mes lunettes de Heidegger, et je m'étonne qu'un esprit aussi brillant que Heidegger n'ait pas imaginé qu'on pouvait enlever ses lunettes, et notamment regarder ses lunettes. Je crois qu'effectivement, même, peut-être, c'est difficile, mais peut-être même, depuis l'intérieur de l'État, on peut essayer de regarder l'État autrement qu'en étant derrière ses lunettes. Eh bien, Brigitte Gaïti, qui enseigne elle aussi la science politique, mais à Paris 1, et qui, dans ses travaux initiaux, avait précisément montré, pas l'absurdité, mais en tout cas la force de ce complexe politico-administratif. Hein, elle avait travaillé sur le retour général de Gaulle au pouvoir en 1958 et la fonction qu'avait joué précisément cette galaxie, cette nébuleuse, ce champ peut-être de hauts fonctionnaires issus de la Deuxième Guerre mondiale et du mendésisme. Puis, elle avait un peu décliné les choses, notamment sur la manière dont les manuels scolaires avaient absorbé cette vision gaulliste de la self-fulfilling prophecy. Puisque de Gaulle est revenu, c'est bien qu'il devait revenir. Et on pourrait dire aussi, et c'est d'ailleurs frappant de constater que ça, c'est toujours pas passé, l'idée d'écrire l'histoire de la Troisième République finissante comme décadence, c'est vraiment une lecture vichiste. C'est la lecture que Vichy a entendu donner, de Gaulle aussi pour d'autres raisons, de l'histoire de la fin de la Troisième République, et ça reste la vulgate enseignée. Enfin bon, on s'éloigne un petit peu du contenu du cours, et je passe maintenant la parole à Brigitte pour là aussi une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous dire, puisque je pense que c'est un petit peu le contrat de notre participation à ce colloque, c'est de dire quelle lecture on peut faire aujourd'hui de cette transcription ou transformation du cours de Bourdieu sur l'État, quelle lecture on peut en faire. Et Dieu sait si aujourd'hui, me semble-t-il, j'y reviendrai, c'est une lecture qui nous interroge, à un moment où, je ne sais pas, on parle de faillite de l'État réel, enfin, on évoque la possibilité de faillite de l'État, eh bien de lire un livre qui, et c'est un des points que je travaillerai un petit peu, qui est partagé entre cette histoire d'une emprise, cette histoire d'une réussite, nous sommes tous étatisés, hein, et en même temps, le dernier mot de ce livre, c'est le retrait de l'État. Et donc voilà, c'est un peu ce espèce d'énigme, je trouve, ou en tout cas peut-être de choses qui hantent un peu la lecture, en tout cas ma lecture, j'en sais rien, qui hantent ma lecture de ce texte, que cette dernière formule, le retrait de l'État, et qui, me semble-t-il, est une des manières de revenir ou de relire l'ensemble du livre. Alors, quelle lecture possible ? Moi, ce que je pense de... peut-être à questionner, ce sont les temporalités qui sont engagées dans l'écriture de ce cours, hein, ou dans la manière de dire ce cours, puisqu'il fait coexister des choses curieuses, hein, une histoire très longue de la construction de l'État, hein, avec la cour du roi, les lits de justice, et puis des moments effectivement très actuels, et puis ce retour un peu effectivement stratégique, j'y reviendrai aussi, sur l'analyse des politiques du logement et cette commission des années 70. Donc comment on fait tenir ensemble ces histoires-là, sauf à dire que l'histoire actuelle ne ferait que réactualiser à chaque fois l'histoire longue. C'est une possibilité, c'est peut-être pas totalement ce qui peut être fait ou est fait dans ce livre. La deuxième question, qui est toujours une question sûre, mais qui est liée à celle-là, qui est toujours une question sur la temporalité, c'est celle de l'irréversibilité. C'est-à-dire que ce que décrit Bourdieu et ce que dit à plusieurs reprises Bourdieu dans ce livre, c'est qu'il y a, il rappelle des choses qu'on connaît sur les possibles non advenus, mais qui deviennent des possibles impensables, impensés, qu'on oublie, hein, une genèse qui disparaît et qui fait que ça a toujours été ainsi. En fait, on a l'impression que ça a toujours été ainsi, ça s'appelle une naturalisation. Et ces possibles qui se ferment, qui deviennent impensables, qui naturalisent un sens de l'histoire. Évidemment, aujourd'hui, il me semble qu'on est amené à se poser ces questions-là, même si sociologiquement, on comprend bien que c'est un processus, ça ne s'arrête pas, hein, ça ne fait que se transformer, se déplacer, etc. N'empêche qu'il y a des moments qui sont interrogés, des moments de cliquet dans un processus, des moments où on ne peut plus, ou en tout cas l'évidence... me semble-t-il, aujourd'hui, une certaine évidence de l'État disparaît. Voilà, c'est un des points que l'on peut essayer de penser. Et elle disparaît, cette évidence, non seulement
pour des sociologues, pour des politistes, mais elle disparaît peut-être aussi pour des hauts fonctionnaires, pour des gens qui ont à voir avec l'État. Et finalement, ce que disait tout à l'heure Vincent Dubois sur l'individualisation des politiques sociales, hein, qui est un des grands points, évidemment, qui a été mis à jour par tout un ensemble de travaux dans différents secteurs des politiques sociales, mais évidemment, particulièrement par Vincent Dubois dans ses travaux sur le guichet de la CAF, eh bien, il y a toute une réflexion à avoir, me semble-t-il, sur la débureaucratisation, en tout cas, la moralisation, la refamilialisation, je ne sais pas si on pourrait dire ça, d'un certain nombre de façons de faire qui seraient intéressantes à travailler. Alors le premier point, c'est cet enchevêtrement donc, entre une histoire longue et temporalité longue et une temporalité plus courte, plus mouvante, plus accidentée, qui est celle de l'action publique. Alors évidemment, on pourrait dire, je le disais tout à l'heure, hein, que les dispositifs d'action publique, les réformes ne font qu'actualiser des structures existantes, ce qui est sans doute vrai. Et c'est vrai aussi que l'histoire de l'État se rejoue dans la manière dont on accorde un crédit ou pas, dont le vendeur devient délégué d'une banque et qui, durant l'échange, incarne au moins les politiques de crédit. Alors, est-ce qu'il faut penser ça comme une histoire courte de la politique et de la science politique contre une histoire longue des structures, c'est-à-dire des historiens et des sociologues ? Évidemment, dit comme ça, ça serait très, très scolastique, très scolaire. Mais c'est aussi une invitation empirique, me semble-t-il, et c'est tout l'intérêt de ce cours et de ces moments d'enchevêtrement ou de télescopage de ces processus qui se passent dans des temporalités différentes et qui devient effectivement un programme empirique et qui se lie notamment dans ce cas isolé et travaillé à Vincent sur les politiques du logement. Alors, évidemment, ces politiques, cette transformation, ça nous invite à dater le texte doublement. Hein, dater le texte doublement, c'est-à-dire... je ne sais pas si c'est stratégique, volontaire, ni si c'est un hasard de l'histoire, mais quand il travaille sur cette commission du logement, il travaille sur le milieu des années 70, ou le début des années 70, et il se trouve qu'aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on a pu dire dans une histoire politique la plus visible, sur le tournant de la rigueur en 1982 ou 83, beaucoup de travaux font apparaître un tournant libéral, je ne sais pas si le terme est bon, enfin, dans les années 70, voire dans les années 60 maintenant. Hein, il y a des travaux de Margaraz et d'autres sur ces questions-là. Donc ça, alors, ce n'est pas tellement pour le plaisir de la datation régressive, hein, c'est pour voir comment ça se saisit dans des petits dispositifs qui étaient des dispositifs invisibles. C'est-à-dire, au fond, ce que décrit, et il le dit bien d'ailleurs, Bourdieu, ce qu'il décrit, c'est un, avec Rosine Christin, ce qu'il décrit, c'est quelque chose qui est vraiment trivial. On module, on ne passe même pas complètement de l'aide à la pierre, c'est-à-dire l'aide au collectif à l'aide à la personne, mais on commence à donner des dispositions pour aider la personne, des petites choses. C'est évidemment, ça peut être interprété, sur le moment, ça ne l'est pas. Hein, personne ne parle de tournant néolibéral en 1972-73, même si ensuite on va en parler avec Giscard, mais ça ne sera pas du tout dans le sens que ça va prendre par la suite. C'est-à-dire de cette transformation conjointe et sans doute non orchestrée, pardon, de petites dispositions, de petits dispositifs qui, évidemment, vont faire sens après coup et qu'on va pouvoir ensuite requalifier et retrouver comme des moments de basculement des façons de faire. Alors, des moments de basculement qui sont portés, et c'est là aussi l'intérêt du travail de Bourdieu et Christin, c'est qui sont portés par des hommes de l'État. Hein, évidemment, le mouvement de libéralisation est porté aussi par des hommes de l'État. Et donc, il y a une chronologie maintenant beaucoup plus complexe, très fine, de la transformation de l'action publique, qui,
renvoie aussi à une chronologie plus fine des transformations de l'État, des hommes de l'État, des pensées de l'État, des savoirs de l'État, qui se, aujourd'hui commencent à apparaître, en tout cas dans toute une série de travaux en sciences politiques et en histoire, hein, comme le rappelle Bourdieu, aider les personnes, mais comme le rappellent les gens qui travaillent sur l'aide sociale par rapport à la protection sociale, de la sécurité sociale auparavant, hein, aider les personnes, les indemniser, c'est ne plus penser en termes de droit, hein, mais plutôt en termes de morale, est-ce qu'il le mérite ou est-ce qu'il n'est pas un peu en faute, hein. Toute la pensée de la fraude est une pensée justement de ce renversement, une pensée qui n'est plus une pensée donc, du collectif, comme le rappelle le Bourdieu à plusieurs reprises. On recherche à chaque fois des causalités singulières, hein. S'il échoue à l'école, s'il est au chômage, est-ce que ça tient pas quand même un petit peu à lui, hein. Bon, il y a des choses de cet ordre-là qui se jouent dans les guichets, qui se jouent dans les écoles, hein, et que rencontrent les fonctionnaires de contact, hein, qui sont chargés de traiter les dossiers, traiter les personnes, etc. Et donc ce que retrouve ce travail, c'est la trace de petites bifurcations qui sont pas peut-être pas totalement décisives, qui peuvent le devenir, qui vont le devenir, et qui vraisemblablement renvoient, et c'est ce que montre là aussi le travail sur le logement, renvoient à des choses qui sont pas forcément idéologiques, c'est-à-dire bien sûr... Il y a sans doute des gens qui croient à l'État et des gens qui croient au libéralisme, hein. Ce qu'il met en évidence là, c'est plutôt des luttes de position bureaucratique, des luttes, alors ça sera un des points peut-être à discuter, entre main droite et main gauche. Je pense que, par exemple, dans le secteur social, il y a une main droite et une main gauche aussi. Hein. Le secteur social n'est pas la main gauche de l'État. Hein. En tant que tel, il y a dans le secteur, on l'a vu dans toute une rénovation de l'expertise du social, qui est une expertise qu'on dirait aujourd'hui très libérale dans les années 70. Bref, il ne s'agit pas donc d'une lutte de croyances keynésiens contre libéraux, mais ce que montre très bien le travail, hein, des luttes de position, des luttes bureaucratiques, à des moments où certains ont des intérêts, par exemple au collectif, ou à l'aide, ou à sortir de cette façon de faire de l'État. Alors ça, on le trouve partout. Hein. On le trouve dans les politiques de réforme de l'État dans les années 60, on le trouve dans les politiques scolaires du début des années 80, on le trouve dans les transports, on le trouve dans les politiques budgétaires. Dès le milieu des années 60 ou dès les années 70, hein, la naissance de la dette, elle s'origine, on pourrait dire, dans des dispositions qui sont prises à la fin des années 60, hein, c'est-à-dire dans cette idée qu'il va falloir financiariser la dette de l'État. Et lorsque le travail sur la politique du logement paraît en 90, je crois, personne n'a vu, enfin, personne ne parle encore. Hein, véritablement, je crois que les premiers travaux vont apparaître courant des années 90, donc un peu plus tard. Et on sent cette réflexion à l'œuvre dans le cours. On ne voit pas encore combien s'effritent, alors on pourrait le dire comme ça, hein, en tout cas certains le disent comme ça, les compromis inflationnistes, les compromis keynésianistes qui avaient, c'était mis en place au sortir de la guerre. Et de ce point de vue, il y a donc une grande actualité et l'occasion de réfléchir sur ces transformations de l'État et sur le programme empirique qui s'ensuit, parce que je trouve intéressant, il y a plein d'intuition de Bourdieu quand il dit qu'il faut travailler sur les circulaires par exemple, hein, pour comprendre le rapport au droit. Bon, ben, c'est des choses qui aujourd'hui sont beaucoup plus faites. Ça a été fait par Alexis Spire sur les étrangers, ça a été fait par un juriste qui je crois maintenant qui a aussi travaillé au Gisti, qui est Dadouche. Enfin, il y a une thèse sur les circulaires, sur ce rapport très particulier à l'autorité administrative qui se joue dans ces textes qui sont des textes de rang inférieur et qui peuvent se permettre de jouer avec le droit, d'être dans la marge du droit. Donc voilà, il y a des choses qui sont, de ce point de vue, tout un programme d'études qui sont intéressants et qui, notamment pour moi, m'intéressent au sens où, vraisemblablement, ils révisent à la baisse toute l'idée du moment keynésien,
à la baisse en durée, et d'autre part, qui en font un moment beaucoup plus composite que ce que l'on pouvait voir auparavant. Évidemment, le cours est aussi, on pourrait presque dire, encore une fois, doublement daté. Il est professé donc entre 89 et 91. Si vous avez une vague connaissance de l'histoire économique récente, c'est juste avant, enfin c'est au moment où se déclenche une première grande crise économique, un moment de récession, une première crise financière. C'est le moment entre 1991 et 1990, on passe de 124 à 234 milliards de francs de déficit budgétaire, donc une augmentation de 90%. Enfin, c'est des petits chiffres comme ça, mais qui rappellent qu'on est dans un moment très particulier sur une nouvelle représentation publique de la dépendance de l'État. Dépendance liée au mouvement de financiarisation, qui, je le rappelle, est ancien, mais qu'on commence à vraiment prendre en compte publiquement, analytiquement, à partir de ce moment-là. Évidemment, Maastricht 1992, c'est un an plus tard, la fin du cours. Là encore, d'autres contraintes liées à la ratification, à la marche vers l'union monétaire qui va se mettre en place. Évidemment aussi, on commence à prendre la mesure d'une autre forme de transformation des périmètres de l'État autour de la territorialisation, la décentralisation et la manière dont l'État peut gouverner, intervenir dans ce qui était devenu dans l'histoire de la construction de l'État, des provinces. L'imbrication de ces processus donc, tend effectivement à l'accroissement des dépendances de l'État. Et du même coup, il me semble qu'on voit surgir et se développer des tensions que le cours n'ignore pas, c'est-à-dire entre à la fois quand même un accent, évidemment c'est tout un des grands apport de la pensée de Bourdieu, c'est cette montée en puissance du droit, du corps des juristes, de la manière dont l'étatisation se fait dans les corps et dans les choses, comme Patrick Champagne le rappelait tout à l'heure. Et en même temps, alors ça c'est évidemment une grande partie du cours, mais c'est toujours, moi je l'ai lu comme ça, alors c'est peut-être mes obsessions à moi, que je reporte sur ce qui est dit, mais il y a toujours dans le cours, dans chacun des cours, il y a toujours une référence ou quelque chose qui surgit et qui touche. Alors ça peut être aux pratiques effectivement de corruption, alors ça peut être dans la Chine ancienne, mais ça peut être aussi dans les fonctionnaires, le rôle des fonctionnaires et la manière dont ils peuvent de temps en temps retenir l'information, s'approprier un certain nombre de ressources ou jouer avec le droit, etc. Et donc on a tout un ensemble de questions qui se posent de cette façon. On sent, quand il dit par moments le retour du privé, alors il ne parle pas de choses qu'on pourrait évoquer. Par exemple, aujourd'hui, on parlerait de la fin des énarques, enfin de la fin, de la baisse du nombre d'énarques, tout simplement, dans le recrutement du personnel politique. Est-ce que c'est épiphénoménal? Qu'est-ce qu'on peut en faire du fait qu'il y a de moins en moins d'ENA, que l'ENA a été délocalisée, que l'INSEE, les grands instituts sont attaqués par les hommes de l'État? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est totalement un détail de l'histoire qui n'a aucune importance dans l'histoire de la construction étatique, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer? Je pense que c'est un appel à l'empirique. Donc il y a des choses qui sont en train de se jouer de ce point de vue, dans des transformations de l'assurance de l'État. Enfin, des manières des appuis possibles, sociaux, des appuis bureaucratiques de l'État. Encore lorsqu'il est question de l'ENA, moi ce qui me fascine, c'est que dans certains milieux, notamment proches des milieux financiers, l'ENA c'est une école ringarde, c'est la main gauche. Hein, c'est une école finie, c'est pas l'école du pouvoir, c'est vu comme une école qu'on peut mettre à Strasbourg, dont on peut commencer à attaquer effectivement le monopole du recrutement. Je n'ai rien contre Strasbourg, mais c'est une très belle ville, mais par ailleurs, ça a du sens. Ou lorsqu'on voit que dans les services d'avant-garde de gestion de la dette, on embauche des traders ou des gens issus d'écoles commerciales internationales. Évidemment que ça pose des questions. Comment ils vont, je sais pas, qu'est-ce qui se joue
autour de la légitimité de l'État dans ces transformations. Peut-être pas grand-chose, mais peut-être que ça ne sont, dans ce cas-là, il faut le dire, peut-être que ce ne sont que des variations autour d'une structure, c'est-à-dire qu'il y a toujours une instance, qu'on appelle l'État ou autre chose, d'ailleurs, de concentration de capitaux, mais est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans ce point? Et du même coup, c'est bien une histoire de la réversibilité et de l'irréversibilité des processus qui m'intéresse. Après tout, d'un point de vue théorique, on peut très bien penser que tout ce que le monde social a fait, il peut le défaire. Ça, c'est une phrase classique. Bourdieu fait allusion dans le livre, effectivement, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais à la guerre de Bosnie, il dit nous sommes en train d'assister à la disparition d'un État. Parlons de ça, mais est-ce que ça passe toujours par la guerre? Est-ce que voilà, il y a d'autres questions qui sont en train de se poser. Et évidemment, bon là, c'est pas, je ne sais pas si j'ai pas un peu débordé. Encore deux minutes. Voilà, certains évoquent aujourd'hui la transformation progressive de l'État en agent microéconomique, par exemple, le fait qu'il peut faire faillite, le fait que l'on peut compter ses actifs et ses passifs, qu'il doit gérer comme un bon père de famille. Enfin, il y a toute une transformation même de ce point de vue des modes d'action de l'État. Je pense que je vais m'arrêter sur cette question, donc sur les temporalités, la réversibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, on a eu beaucoup de matériaux. Donc, pour ce dialogue à trois, si j'ose dire, la tribune, bien sûr, la salle, mais aussi peut-être les inventeurs du livre et de la journée, peut-être nous éclaireront-ils aussi sur cette articulation géométrale perspective qui nous pose un peu problème, mais personne n'est revenu dessus. C'est intéressant que vous ayez l'un et l'autre pointé l'importance de l'exemple logement et du passage aide à la pierre, aide à la personne, parce que au fond a été réalisé là ce qui est une sorte de rêve, je ne sais pas si on peut dire de la droite ou néo-néolibéral, qui serait pour le scolaire et peut-être pour l'universitaire l'équivalent, c'est-à-dire grosso modo le chèque scolaire, le chèque universitaire, tout n'a qu'à être payant et puis on va financer la demande et ce sera la vraie compétition. Je ne sais pas, alors pour le scolaire, c'était le grand débat des années 80, et quand même la chute du premier gouvernement d'union de la gauche là-dessus. Pour l'universitaire, c'est en train de se jouer maintenant, donc Pierre Bourdieu ne l'a pas vu, peut-être l'a-t-il anticipé. Et alors, peut-être juste une remarque en écoutant Brigitte, parlant donc du déclin de l'ENA, et des traders gérant la dette, après tout que des traders soient au sein de l'État présent pour gérer la dette, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a un peu plus surpris dans le ministère dont je suis originaire, qui était le ministère de la Culture, c'est qu'à un moment, il recrutait à tour de bras des HEC en disant, au fond, finalement, la meilleure école pour gérer la culture. Ce qui est important dans gérer la culture, ce n'est pas tant la culture que gérer. Et j'ai entendu une très haute fonctionnaire du ministère de la Culture m'expliquer que la direction de la fonction publique, une grande création de la Libération en même temps que l'ENA, avec l'idée d'avoir une politique plus démocratique de la fonction publique, ça a marché ou ça n'a pas marché, mais je cite la direction de la fonction publique, c'est la DRH de la holding État. Ça m'avait quand même fait un peu bizarre. Alors voilà, sur ce, la parole et les micros circulent.